dernier ice cream glacé. Ah, j'aime pas du tout sa tête. Hey, coucou mes petits palmiers. Merci à tous les membres qui soutiennent ma chaîne et qui font partie de la super team palmeillée. Un bisou. Abonne-toi mon petit palmier. Comment allez-vous? Moi c'est Nadège Van de Dalle. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour faire un nouveau mode de Guarani. Ouais, j'adore faire les modes de Guarani et vous aussi. Aujourd'hui c'est un mode de RSEP spécial puisque c'est Granny 1 dans l'univers de Ice Scream 6. Ouais, la musique, la maison, la Guarani, les objets, ça va être vraiment trop cool. C'est vraiment le mix entre Ice Scream et Guarani et pouf, ça fait un truc psychopathe. Oh, c'est OM de jeu qui a fait ce mode vraiment et que c'est pseudo Noël. Et ça fait peur. Mais avant de commencer à jouer, je dois lire le top commentaire d'une vidéo précédente. C'était CRC où je jouais à Rainbow Free Games à 3h du matin. Oh, et ça faisait vraiment peur, il se passait des choses très bizarre, moi je peux vous le garantir. Le top commentaire vient de Matteo08 avec 17 likes qui me dit: ça fait toujours plaisir de voir tes vidéos, je les adore, continue comme ça Nadège. Oh, merci beaucoup, cœur sur toi, merci. Je suis vraiment contente que mes vidéos te plaisent et vous plaisent à tous. Alors bien sûr n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir et dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez et peut-être que vous serez en top commentaire et que je vous lirai dans une prochaine vidéo. Je vais y jouer sur BlueStacks. Avant de commencer, lâche ton petit like, clique sur le pouce vers le haut pour m'aider dans mon aventure YouTube, ça fait plaisir. Suivez-moi, c'est parti. Waouh, regardez. Ah non, mais l'écran d'accueil, il est complètement foufou. Il y a tous les personnages de Ice Cream 6. Il y a le grand-papa. Bon, il y a le Teddy qui cache Guarani. C'est Granny Chapter 1 in Ice Cream 6 Friends Atmosphere. Waouh, c'est formidable. Alors, pour avoir ça, il faut cocher le mode Nightmare, sinon ça marche pas. On va jouer en mode normal. C'est parti. Waouh, écoutez la musique. Oh, la chambre est complètement transformée. Waouh, mais quel est ce mode de folie? Il a l'air trop cool. Waouh, wow. Oh, j'en reviens pas, c'est complètement fou. On a vraiment l'impression d'être dans Escurim Seis. Waouh, oulala, ça grince. Mais pourquoi il y a un rat? Ah oui, parce que c'est le mode... Oui, je vais me cacher. Quoi? Il y a la musique de... Oh! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle bug. Oh, ah, elle me voit pas. Mais elle est complètement transformée, elle aussi. Waouh! Mais c'est vraiment Ice Scream! Bon, j'attends un peu pour s'en retirer. Et maintenant, on y va. Je vais passer... Oh, j'ai fait du bruit, oui, waouh! Mais les... Oh, il y a la musique de Stress! Là, il y a la, le livre. Ok, c'est bon, je suis caché. Elle est où? Elle doit pas être loin, mais bon. Allez, pousse-moi ça. Le Teddy! Très joli. Bon. Est-ce que je vous croyais que je peux faire le livre? On va voir. Ah, ah, c'est bon, j'ai pu m'échapper à temps. Vite. Waouh, mais c'est complètement foufou. C'est complètement transformé. Je me demande, est-ce qu'il y a les égouts? Waouh. Waouh. Il y a même les tableaux d'Ice Cream. Oh, la Playouski. C'est sympa. Numéro 2. Donc il y a les égouts. Donc, Angelaine a été refaite aussi en mode Ice Cream Phenomenon. Bon, on va fouiller ici. Vite. Oh, ah, j'ai pas le temps. Au secours, il y a les Gurens. Bon, je vais aller ouvrir la Playbooth, mais d'abord... Oh. Elle m'a attrapé, la vilaine. Elle ressemble vraiment à Ice Cream. Je vais aller récupérer la Playbooth Curry et je vais ouvrir la Playbooth. Allez, on y va. Lève-toi. Voilà. Pourquoi il y a un grizzly ici? Trop rigolo. Oh, elle a mis un piège vilain. Oh, moche, moche, moche. Donc là, il n'y a rien. Le wheel, d'accord. Ok, on sort. Go. Ouais. C'est bon. Là, j'ouvre ça. Voilà. Bon. Oh! Mais c'est complètement foufou! J'aime tout roi. La gasoline, ok. Bon. Il faut que j'aille faire le livre. Elle sort? Faut attendre qu'elle ouvre. Ok. Et maintenant, j'y vais. Il était en haut. Vite! Je fais trop de bruit, oui! Il va y avoir le gulling-gulling.
Oh, oh, oh. Vite. C'était là. Voilà. Faut que j'aille récupérer le livre. Ici. Est-ce que vous croyez que j'ai le temps d'aller le placer? Je sais pas du tout. Oh, j'ai ma réponse. Je vais attendre ici. Voilà. Oh, salut. Waouh, ça nous permet de regarder son look. Elle est trop belle, Granny, comme ceci. J'aime trop. Bleu et tout, blanche. On dirait une gueulasse, une querelle gueulassée. Une vendeuse de gueulasse. Allez, va-t'en. Oh, bon, bah, je vais me mettre ici. Il y a vraiment la musique de course-poursuite et tout. Allez, quitte. Voilà. Tu t'en vas? Bon, moi, j'attends un petit peu parce que là, oui. J'y vais en mode accroupi. Non. Bon. Ah, allez, lève-toi. Ah non. Je peux ouvrir? Ouais. Oh bah ça, c'est trop cool. D'habitude, je peux pas. Elle est là. J'ai le temps d'aller placer le livre. Vite. Voilà, tombe. Je m'en fiche. Il y a là le bout du moteur, mais c'est pas grave. On y va. Je vais aller en bas. Tant pis, j'ai pas le temps de prendre la queue des dangers, le N. Mais je vais placer la manivelle près des égouts. Parce que on en aura besoin à peu près. Là. Voilà. Ici, j'ai regardé. Numéro 2, c'est la boîte. Je vais aller prendre la queue des dangers, le N. Vite. C'est ici que ça se passe. Elle est où? Elle est en bas. Ok. Angeline! Mais vite! Mais laisse-moi! Eh ben. J'ai peur. Oh! Faut regarder partout. Parce qu'elle peut venir des deux côtés, la vilaine. Bah, bien sûr! J'ai même pas le temps de prendre la gueulée. Oh, oh! Ça, c'est bien parce que j'ai pas l'arbalète. Ouais! C'est bon! Allez! Oh! Vous avez vu, elle a fait demi-tour, la coquine! Elle est vraiment méchante, ça se fait trop pas. Je vais aller ouvrir les égouts et je vais aller dans les égouts. J'ai trop hâte de voir Angeline. Non, mais prends ça! Ouais! C'est bon! Non, 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 non! Granny, bye. Moi, je vais là. Là, il n'y a pas d'objet, alors on va là. Ouais! Mais même les égouts, ils ont été refaits! Ah, c'est foufou! J'en reviens pas, regarde. Bon, les araignées, elles sont normales. Là, il n'y a rien. Oh, j'ai même pas été voir la voiture. Ouais! C'est exactement comme la voiture de Eskerenefeim. Bon, il y a les pinces coupantes là-bas, c'est bon à savoir. On avance. À quoi ressemble Angeline? Oh! À quoi elle ressemble? Je veux pas le savoir. Je vais aller placer la petite roue déjà. Oh, la batterie de la voiture. Voilà. Je vais aller voir dans les boîtes là-bas. Oh, mais elle ressemble à Eskerim! Trop creepy! Allez hop! Qu'est-ce qu'il y a ici? Rien. En face. C'est la sœur Uti. J'ai peur! Ok. Voilà. Il y a une boîte ici. Oh! Mais ça se fait pas! Je vais aller ouvrir la boîte numéro 2. Ok, monte! Voilà! Bye! Oh, elle est trop moche! Trop moche! Ouvre! Boîte numéro 2! Oh, la clé du coffre! Bien! Allez, on redescend! De toute façon, on est protégé. Si jamais il y a l'araignée, c'est pas grave. Oh! Ok! Trop creepy! Là! Bah, c'est la sorotie! Ouh! Qui a fait bling 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 bling? C'est Granny. Elle s'énerve toute seule sur ses portes. Là. Ok. Là. Il y a une cachette ici. Oh, la clé spéciale. Bon, à savoir. Et là? Rien du tout. Bon, alors attendez. Je vais aller placer ça. Là-bas. Et je vais aller prendre la clé spéciale. Qui est là. Hop. Et je vais retourner là-bas. Vite. Oh. J'ai pas le temps. Oh. Oh, c'est trop creepy. Oh. Vite. C'est par là. Oh, j'ai gagné.
trop loose. Allez, je vais aller déposer ça là-bas dans le garage. Hop. Et je vais aller prendre la clé du coffre tout de suite. Comme ça, on pourra ouvrir le coffre. Sauf qu'attendez, j'ai fait du bruit, donc il y a Gurani qui va arriver. Gurani ou Ice Cream? On y va. Oh. Par ici. Oh. Les cuttings. Ah, c'est bon. Oh là là. Bon, je coupe quand même. Mais je vais surtout placer en haut. Parce que quand on aura coupé les planches et tout, ce sera nécessaire. Faut que j'aille prendre aussi la spéciale key que j'ai laissée dans le garage. Là. Voilà. Allez hop. Je m'accroupis, j'attends que Gurani arrive. J'ai pas encore le marteau. On va essayer de pas réussir par les égouts quand même. Voilà. Spéciale key. Dans le garage. Là. Super. Oh, je vais aller voir dans la voiture tant que j'y suis. Oh, oh, oh. Ah, ça c'est pratique. Alors, est-ce que... Oh là là. Oh. Vite, fais le tour, ma petite. Ouais, c'est bon. Oh, ah. Hop, hop. Je remonte. Attention au piège. C'est bon, on y va. Vite. Par là. Elle va moins rigoler quand je vais prendre l'arbalète. Par ici. Paru là, je place ça et je vais là. Vite! Bah, Gurani, t'es sérieuse? Je fais du bruit là! Elle me suit même pas, celle-ci. Gurani, ah, c'est bon. Là, je vais aller prendre. Ah, lave-toi! Mais pourquoi t'es tombée? Arrête! C'est ton intéressant. Vite, la clé des weapons. Par ici. Par là. Par là. Par là. Ici. Ok. Elle est où? Elle est pas là. Vite. Ouais. Je vais prendre l'arbalète. Elle va m'en rigoler. Allez. J'ai même pas vu ici. Boot shotgun. Le code. Oh. J'ai fait trop de bruit. Vite. Oh wow! Même ça, il a changé! Trop cool! Oh! Ouais! Le bruit, il a changé! Écoutez! Oh! C'est trop cool! Bon, on va en profiter. Je vais aller faire tomber le tour au neveu-y. Là, y a rien. Waouh, j'adore la musique. Il y a les rats et tout. Waouh, la puissance! J'aime trop. Ah, les rats! Oh, ils sont vraiment vilains. Oh, mais je vais prendre la pince aussi. Les pinces, là, pour couper. Pas de Loki. J'en ai besoin, ça ou pas? Non, j'en ai pas besoin. Par contre, le tour au neveu, j'en ai besoin en bas. Dans les égouts. Dans la petite cachette, là, par là, où il faut s'échapper. Donc, ce que je vais faire, attendez, regardez, petite stratégie. Là, ça communique, donc. Voilà. Là, est-ce qu'il y a un objet? Non. Par contre, ça, on en a besoin. Donc. Voilà. Donc, j'ai déjà un objet pour partir. Je vais reprendre l'arbalète. Quoi? Où ça? Je sais pas, mais elle va dormir. Oh! Tiens! Allez, vilaine, va-t'en. Là, y a rien. J'ai pas le marteau. Ah, il me manque quand même pas mal d'objets. Faut que je trouve le marteau. La poignée du puits. Bon, je crois que j'ai tout vu ici. Donc, je vais laisser ça là. Pour l'instant. Et je vais aller dans les égouts. Faire le tour au neveu. Non, c'est pas par eux là. Oh, c'est par eux là. Voilà. Là, y a rien, y a pas le bâton. Non, alors on y va. Ok. Ça fait toujours mal de tomber comme ceci. Hop. Par ici. Voilà. Très sympathique. On y va.
Donc normalement, je peux prendre les affaires ici, le screwdriver. Allez, on y va. Je vais aller ouvrir, débloquer quand même quelque chose. Ok. Là. Et là. J'ai pas croisé Angelaine. Alors, petite vis, 1, 2, 3, 4. Et on a quoi? Mais je m'en fiche de la Master Key. Oh! Bonjour! Je vais en profiter pour aller récupérer les pinces et couper le câble. Vu qu'elle est là-bas, normalement j'ai le temps de faire ceci. Et d'y retourner avant qu'elle repasse. Oui, c'est bon. Je vous avais dit. Voilà, par ici, par là, ici. Et pouf! Voilà! Maintenant, je retourne ici, là. Et ici! Coucou! Oh! Regarde, René! Oh! T'es vilaine, Angelaine! Angelaine Ice Cream! Bon, je dois trouver absolument le Maruto. Et. La poignée du puits. Drôle de musique. Maruto, il est pas là? Ah, par là! J'y pas été! Bah, y'a rien. Waouh, le tunnel est vraiment différent aussi. C'est trop cool, en plus c'est la dernière version, on avance vite. Là, il y a la gasoline. Bah, c'est tout en fait, il n'y a rien ici. La maison d'Angelaine. J'avais complètement oublié. Mince, j'aurais dû prendre le shotgun. Ou plutôt l'arbalète pour ouvrir la maison d'Angelaine. C'est pas grave. Je vais aller le chercher. Je me disais qu'il manquait un endroit. Ah, remote control. Là. Rien. Allez, j'y vais. Je vais faire du bruit ici pour attirer la Gragranini Ice Cream. Je descends. Là, je crains rien puisqu'elle n'est pas là. Je vais faire bip 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 bip. Oh oh. Non ! C'est pas ça ! Il a échangé d'objets ! Vite ! Bon, là, je sais pas si j'ai le temps de prendre les deux. Vite ! Coucou ! Elle est là. Oh ! Ouah ! C'est bon ! Là, il y a quoi, du coup ? Il y a rien. Donc, je récupère Parudon Gurani. Pousse-toi. Mais pousse-toi ! J'ai besoin de la... Voilà ! Et on va retourner dans la maison d'Angelaine pour ouvrir la maison d'Angelaine. Vite fait, bien fait. Waouh ! Pour l'instant, tout se passe super bien. Je me suis fait attraper qu'une seule fois. Là, on a vu ? Oui, y a rien. Parudon le jambon. Les graines ! Il me semble les avoir vues quelque part. On va donner les graines à l'oiseau. D'abord, ah ! Ouais ! Alors, je laisse ça là. Je prends le Maruto. On va aller casser toutes tes plan-planches. Donc là. Tombé. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Oh! La veillande. Ça, c'est bien. Donc, ce que je vais faire, je vais faire tomber ça là. Je vais vite chercher la viande-viande. Ok. La viande-viande. J'ai hâte d'aller voir la Rainouillée. Hop. Faut que j'aille prendre l'arbalète, là. J'ai pas le choix. Parce que Gurani va arriver à... Oh, venez, vu que c'est Ice Cream. Bah, je vais la gueulasser. Bah, oui. Alors, attendez. Pour gueulasser Gurani, je prends ça. Voilà, j'ai fait du bruit ici. Je prends ça. Et je vais mettre le piège ici quand elle sera là. Ça va être trop cool de la gueulasser. Elle est là. Coucou, Granny. Oh oh, regardez, c'est la Granny Ice Cream glacée. Ouais. Allez, va-t'en, vilaine. Laisse-moi passer. Toujours elle fait ça. Elle me laisse jamais passer. Donc, je prends ça, je l'amène là-bas. Ok, ici. Pouf. Je vais aller prendre... Arrête. La viande.
Donc ça, je vais le mettre là. Le Seutec, il est où? Il était là, le Seutec. Mais il est où? J'ai perdu le Seutec. C'est une tragédie. Pourtant, j'en ai besoin pour la Arénoïe. Bon, je vais aller voir. Tant pis. Je vais faire le Maruto d'abord. Je sais vraiment pas où est le Seutec. Ça, c'est dommage. De toute façon, Granny, elle l'a fait tomber quelque part. Ok, bon, bah, je vais ouvrir. Oh, oh, oh. Comme ça, on va aller débloquer en haut. Oh, faudra faire le Teddy aussi. Comme ça, on aura débloqué toute la famille. Donc, ça, ça, ça. Remarquez, j'ai pas besoin de faire le Seutec. Avec l'arbalète, ça va être bon. Là. Oh, la carquille. Très intéressant. Alors, attendez, d'abord, je vais placer ça. Voilà. Je prends la carquille. On va aller ouvrir le coffre de la voiture. Voilà. Vite. Elle est où? Oh, elle est là, la vilaine. C'est pas grave. On fait ça. Bon, attendez. Je vais laisser tomber ça là. Ah, vite. C'est bon. Ah, loser. En fait, elle est habillée comme la cuisinière, la femme. Je sais plus comment elle s'appelle dans Ice Secure Monofilm. Attendez. Hop. Voilà, je fais du bruit exprès. Granny. Ah, tiens. Voilà, j'y vais. Salut. Une minute. C'est le temps qu'il me faut pour aller fermer la porte de l'araignée. Alors, par contre, c'est pas facile à viser. Alors, on y va. Vu que j'ai plus le Seutec, eh bien, on va faire 100. Elle ressemble à... Bon, elle ressemble à rien. Donc, je vise bien en haut. Ah! Ouais! J'ai réussi! Trop forte! Ah, la poignée du puits. Ça, on en avait besoin. Alors, attendez. Je vais d'abord laisser ça là. Je vais prendre la poignée du puits. Vite. Voilà, je retourne là-bas. Je vais laisser tomber la poignée du puits ici. Non, là. Ouais. Je reprends ça. Je vais aller shooter Granny. Et je vais faire le Teddy. Et après le puits. Tout ça, ça rime. C'est joli. Granny. Où qu'elle est, la vilaine? Oh, coucou. Voilà. Je vais aller faire le Teddy tout de suite. Comme ça, on verra le look de Solène de Rinefenemea. Donc, c'est par eux là. Ici. Là. Je me baisse. Je prends le Teddy. Je vais par eux là. Et on remonte. Oui, bah boum, 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 boum. Moi, je crains rien. Puisque Granny fait dodo. Voilà. Oh, arrêtez avec vos grincements de sol. Voilà. Attention, vous êtes prêts pour ce Lenderineux 1 3, 2, 2, 2, 2, 1. Oh, bon, bah elle a pas changé. Dommage. Alors du coup, je vais en profiter, je vais faire les pinces ici. Voilà. Oh, le wrench, je m'en fiche. Par contre, le bâton, je m'en fiche pas. Donc il me manque que la queue les rouillée en fait. Ça, c'est trop cool. On y va. Voilà. Je vais laisser tomber ça là. Je vais aller prendre la poignée du puits et faire le puits. Vite. Je sais pas où est-ce qu'elle peut être la clé rouillée, mais bon, on va la chercher. Ok, on y va. Oh! Voilà. Peut-être qu'elle est derrière les cogwheels, mais j'ai pas les cogwheels, donc bon. Allez! Oh, cogwheel! Justement, quand je disais que j'avais pas les cogwheels. Bon, alors ça veut vraiment. Bon, j'en place un. Voilà, et le deuxième, je sais pas où il est. Bah, je vais chercher, hein. Voilà. Je me demande s'il n'y a pas un objet ici. Non, ça clignote pas. Par contre, les guérennes de l'oiseau. Je dois trouver les guérennes. Ah, elle m'a fait trop peur. Bon, mission guérennes. Jour numéro 3. On se réveille.
Je les ai vus quelque part, mais alors là, pour me souvenir où, c'était au début de la partie, donc waouh. Peut-être dans la pièce à côté, je vais aller voir, attendez. Mais d'où elle spawn ici, celle aussi? Elle est folle? Mais complètement folle! Non, c'est pas là. Bon. Je vais aller l'endormir, hein, ça vaudra mieux. Parce que là, elle est trop énervante. Ok. Coucou! Bien! Ligurène maintenant. Bah voilà! Voilà, j'ai fait exprès, comme ça, on peut pas partir. Merci! Peut-être que c'est le deuxième cogwheel et que derrière la cachette du cogwheel, il y a la clé rouillée. Et dans ce cas-là, c'est bon, on peut pas partir. Vous avez vu, c'est une boîte de gueulasse ice cream. C'est pas dégueu, Rennes. Oh, c'est trop bien fait, j'adore ce mode. C'est vraiment le plus beau mode jamais fait. Donc là, il y a le peuillage, mais moi, ça me fait rien. Les petites gueurennes. Ah, je vous l'avais dit. Donc... on espère qu'il y ait la clé rouillée. Donc on y va, je passe par là. Je passe par là. Ça va vite maintenant, on est accroupi, mais ça va vite. Par ici. Le jardin. Là. J'adore la musique, elle est trop bien faite. On se lève. Et on va voir. Si elle a la clé rouillée, on peut s'en aller mes petits palmeuillers. Ouais. Allez, on y va. Je passe par eux là. Il faut que je fasse tomber la clé rouillée. Et que j'aille récupérer le bâton. Et c'est bon. Donc vite. Pas refait. En plein dans le mille et mille. Le bâton. Et on y va. On dit au revoir à Gurani. Au revoir Gurani. Voilà. Oh, c'est génial. Oh, on fait tomber le bâton. Comme ceci. Bon, c'est pas grave. On fait tomber la queue, elle est plus petite. C'est plus facile. Et on prend le bâton et on descend. Voilà. Et maintenant, il suffit d'aller placer le bâton, de prendre la queue et on s'en va. Donc, le bâton, on commence. Bien sûr, attention à Ange le N. Ok. À droite? Non. Donc, c'est bon. Ici. Là. Et maintenant, je vais chercher la queue. On y va. Oh, elle est trop vilaine. Salut. On fait un petit tour. C'est pas grave. Coucou. Elle est rigolote. Voilà. On va chercher la queue. On ne panique pas. Il n'y a pas de peur au bleu-m. Alors, là. Il y a toujours la musique, mais vous inquiétez pas. Elle va s'en aller. Voilà. La question est de savoir si elle était à gauche ou à droite. Oh, elle est là. Vite. Youhou. Oh, bah oui, mais trop tard. Oh, ça a bugué pendant 2 secondes. J'ai eu trop peur. Voilà, on est ici. Ouf. Bah, il ne reste plus qu'à faire ça. Ça. Qu'est-ce qu'on emmène avec nous? Allez, les chain cutters. Non, j'emmène la master key. Comme ça, elle pourra pas déverrouiller sa porte. Hein? J'aime pas trop ce qu'il y a dehors. Ça fait peur dehors. Mais on y va quand même. On a gagné. Regardez. Le mode ice cream est trop cool. Au revoir, Gurani. Au revoir, Angelaine. Trop creepy. Ah, j'aime pas du tout sa tête. Ça fait peur. Et voilà qui termine. Eh bien, ce mode Gurani version ice cream 6, c'était méga cool. J'ai adoré. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé. Laissez plein de likes si vous voulez plus de modes. Abonnez-vous, bien sûr. Et le mot mystère à mettre dans les commentaires, c'est gueulasse. Trop facile. Merci. Et bisous, bisous, mes petits palmiers. Bye bye.